Salut à toutes et à tous, c'est Flanou, on se retrouve aujourd'hui sur Arc pour continuer notre aventure. Écoutez, dans cet épisode, j'aimerais bien pouvoir apprivoiser un dinosaure, je sais que c'est possible, mais vais-je y arriver? Je ne sais pas, a priori ça demande pas mal de temps, on va voir si on peut y arriver. Donc la dernière fois on s'était laissé, j'avais quand même pas mal avancé puisque je m'étais fait des vêtements, également... J'avais débloqué pas mal de crafts, j'avais fait une maison, regardez-moi ça. Bon, il manque toujours un toit, mais c'est pas grave, on va y arriver. On aura bientôt le toit, je pense. C'est bien ce qu'on peut voir dehors. Par contre, s'il y a des T-Rex, je pense qu'ils peuvent me bouffer. Je sais pas trop, en fait, je sais pas si les dinosaures peuvent casser les maisons et tout. En tout cas, je vais rester près du feu, parce que là, j'ai grave froid. Donc on va rester près du feu pour la nuit. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais crafter des trucs la nuit. Je pense que c'est le mieux à faire. Après, je sais pas si on a une fonction pour miner ou ce genre de choses, comme vous voyez, comme dans Minecraft par exemple. La nuit, souvent, on va miner. Là, je sais pas du tout si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait crafter? Voyons voir. Bientôt, je pourrais mettre des torches sur pied. J'ai vu qu'il y avait un craft. Donc ça, en fait, c'est des trucs qu'on peut loot. C'est des espèces de caisses, en fait. Il faut les ouvrir. Je sais pas trop comment ça s'ouvre. Je sais pas comment ça fonctionne. On pourrait essayer d'aller voir quand on aura un niveau un peu plus élevé. Mais je pense qu'ici, il n'y a pas de gros dinosaures qui viennent, parce que vu qu'il y a les gros rochers, je pense qu'on est assez protégés. Sait-on jamais. Il y a une île là-bas, j'aimerais bien y aller, mais j'ai vu qu'il y avait plein de requins. Alors peut-être qu'on aura la possibilité plus tard de crafter un bateau, je sais pas du tout. Bon, on va attendre du coup qu'il fasse jour, et on va reprendre quand il fera jour. Allez, on va rester ici, près du feu. Je suis assez vigilante quand même, parce que j'ai quand même peur des animaux et tout. Il y a des trucs, je sais pas si c'est du bois ou des rochers ou des dinosaures. Là-bas, il y a un gros lézard. Je prends envie d'aller le voir. Ça me fait bizarre de pas avoir le zoom d'Optifine et tout. Ah oui, aussi, quand il pleut, du coup, ça vous hydrate. C'est un lézard ou une otarie? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Entre l'un et l'autre. Du coup, donc là, on est le matin, donc le soleil commence tout juste à se lever. Regardez, il est très très bas. Et du coup, on va du coup commencer par récupérer du bois et tout, qu'il m'en fallait pour faire une autre caisse. Alors, quand on est engagé dans un combat, en gros, quand il y a un dinosaure qui nous poursuit, il y a une espèce de musique qui fait super peur. Mais voilà, au moins on est prévenu. Alors j'essaye de faire attention. Hein. Oula, j'ai pas confiance au petit dinosaure là-bas. J'ai pas confiance du tout. Est-ce qu'on essaye de le brûler? Là j'ai peur. Ça se trouve, il va me buter. Attendez, on va poser notre bois et tout. Donc nous revoici ici. Du coup, je sais pas si le petit dino est parti. Je sais pas du tout, on va voir. Ah non, il est encore là. Alors est-ce qu'on va l'agresser? Est-ce qu'on va l'agresser? Moi, j'étais pour aller l'agresser. Allons voir. Oh, c'est lui qui lance les... Il lance du poison. Purée, il est en feu. Il est en feu, il est en feu. Il est en feu, il va me crever. Vite le 1, la pique. Purée, il m'a encore lancé le poison. Vite, vite, on monte dans la maison. Est-ce qu'il peut venir dans la maison? Non, il peut pas. Il peut pas venir dans la maison, donc ça c'est plutôt bien. Purée, par contre ma torche elle est cassée. J'ai plus beaucoup de vie, hein. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il fait le tour en fait. Je crois que j'ai pas bien fait de l'agresser. Hein. Comment on peut regagner de la vie? Il est là. Je sais pas quel niveau il est. Hein. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Plus beaucoup de vie. Il est là. Il m'a tapé. On se cache, il lance le poison.
Il est là. Niveau 3. Purée, je fais que de planter ma porte. C'est pas possible. Viens, viens, viens. Il est niveau 3, je peux le tuer. Hein. Ah non, j'ai cassé ma lance en bois. Attendez, on va la réparer en plein milieu de combat, tu sais. Du coup, il faut quoi? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Du silex, de la pierre. Il lance du poison, mais il lance un peu n'importe où. Alors là, comme ça, on voit que la cabane, elle est hyper utile, quoi. Alors, armes, commun, mêlée. On va, hop. On va faire ça aussi. Il est en train de péter ma maison ou quoi? Ah oui, je crois qu'il est en train de la taper. Hein. Oh purée, il est rentré dans la maison. Oh purée, là c'est la merde. Vite le 1. Oh purée. Là c'est grave la merde. C'est grave la merde, il est rentré dans la maison. Faut le buter, faut le buter. Oh purée, il est sorti. Il est sorti, je vais fermer la porte vite fait. Par contre, il est en train de me défoncer ma maison en fait. Il s'en fout, il s'en fout de ouf. Il est en train de me défoncer la maison. Alors attendez. Faudrait que je répare ma torche aussi. Réparer, voilà. Mais il a combien de vie ce dinosaure? Il va me tuer, hein. Il va me tuer. Attendez, je vais ouvrir la porte. On va essayer de le buter. Bien, saloperie. Mais il a combien de vie, sérieux? Oh là là, oh là là, oh là là, il rentre dans la maison, il rentre dans la maison. Vite la torche, 3. Faut le brûler. Il m'a encore cassé ma torche. Ma pique, je veux dire. Attendez, on ferme la porte. Purée, il est surpuissant ce dinosaure là. C'est vraiment chaud. Est-ce que je peux recrafter une lance? Mais là, je vais mourir. Hein. Il défonce ma maison. Il défonce ma maison. On rigole pas là. Par contre, ma lance, elle se casse grave vite. Hein. Vas-y, viens. J'espère que je vais réussir à le tuer. Il est hyper puissant. Non, rentre pas dans la maison. Ah, ah, là j'ai des trucs cassés et tout, je vais mourir je pense. Mais comment il fait pour rentrer dans la maison comme ça? C'est pas possible. Purée, on va jamais le tuer. On va jamais réussir à le tuer. Horrible. Est-ce que je peux y foutre le feu? Là j'ai un os cassé et tout, ça va pas du tout. On va essayer. Purée, c'est grave chaud. C'est grave chaud. Récemment endommagé, réparable dans... Maintenir la touche pour plus d'options. C'est quoi qui a été endommagé? Ma porte? C'est ça? Mais viens! Viens, je vais te cramer. Purée. Est-ce que je l'ai cramé, là? Mais il meurt quand? C'est que niveau 3, hein. Je suis niveau 9. Je suis niveau 9 et j'arrive pas à cramer un dinosaure, quoi. Purée, enfin je l'ai tué! C'était grave dur, mais je l'ai tué. Purée, du coup, j'ai eu grave de la viande et grave de la peau. Par contre, ça, on va ramasser, on va jeter. Hein. Oh là là, j'ai réussi mon premier combat. Jeter. Voilà. J'ai réussi mon premier combat contre un dinosaure. Donc si vous voyez que c'est un petit peu moins joli graphiquement, donc c'est normal, vu que du coup, j'ai dû changer ça. Alors on va faire cuire la viande. On va faire cuire la viande. Hop, on met la viande à cuire. Et là, il faudrait que je fasse un autre coffre. En tout cas, j'aurais tué mon premier dinosaure et ça, je suis grave contente. Ah non, c'est bon, mon os il s'est réparé. Ah ok. Bah tant mieux. Alors attendez, est-ce que... Oups. Est-ce que accéder à l'inventaire? Je pensais pas que l'os il se réparait comme ça. Déjà, est-ce que je peux bouffer la viande? La viande du dino? J'aurais tellement galéré à le tuer, abusé. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait grave du bien. Ça fait grave du bien, regardez ma faim qui remonte. On va en remanger un. Ah, ça fait du bien. En plus, j'ai eu des pots, du coup, je pourrais faire une gourde. Ah, j'ai up. Nice. Mais je pensais que les dinosaures, ils avaient peur du feu. Lui, c'est une femelle parasaure, niveau 1. Comment on apprivoise? J'ai vu qu'il fallait des narcoberries pour apprivoiser. Je pense qu'on va essayer de l'apprivoiser, mais je sais pas si... Je crois que c'est un dinosaure qui est assez fuyard, ça. Lui, j'aimerais bien essayer de le défoncer, hein.
Niveau 1. Mais il doit avoir quand même pas mal de vie, hein. Parce que niveau 1... Par contre, faut avoir une selle pour les monter. Du coup, je sais pas. Je sais pas si c'est utile que j'essaye d'en apprivoiser un maintenant, parce qu'il va falloir une selle. Je pense qu'on va se promener. Alors, je regarde un peu comment c'est fait. Alors, plus on s'enfonce dans les terres, plus ça va être... Oula, non, non, non. Ah non, 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 je me casse. J'espère qu'il me follow pas. J'espère qu'il me follow pas. Cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Est-ce qu'il me follow? Je sais pas. Je crois que non. C'est le petit de tout à l'heure, là. On a galéré à tuer, d'ailleurs. On va éviter. Est-ce qu'on pourrait chasser des poissons? Genre à la lance. Je sais pas trop. Mais sachant qu'il y a des piranhas aussi, donc faut faire grave attention. C'est quoi ça? Un trilobite. Est-ce qu'on peut le tuer ça? Attendez, je vais prendre la massue. Ah ouais, on peut. Merde, d'avoir tendance à fuir ce truc. Pas évident à cibler. Hein. Fais attention quand même aux autres. Il m'attaque pas en plus. Je fais gaffe parce que tout à l'heure il y avait un gros dino et... Reviens trilobite. Tu vois, j'arrive pas à le taper. Il est grave dur à taper, le trilobite. Comment on tue les trilobites? Déjà, faut pas qu'il retourne dans l'eau, je pense. Faudrait qu'on le coince. Comme ça, c'est pas mal. On le coince et on le défonce. Allez, trilobite, meurs. C'est un Pokémon, là. Oh purée, il y a l'autre. Oh, non, il y a l'autre, il y a l'autre. Oh, je me barre, je me barre, je me barre. Tu me suis encore? Non. Oh, si, il me suit encore. Vas-y, moi, je me dans l'eau. Salut. Il me suit encore. Au pire, j'essaie de le défoncer. Hein. Au pire, j'essaie de le défoncer. Mais du coup, j'ai perdu mon trilobite à cause de lui. Et il me course, hein. Ah, il va venir, hein. Attendez, on rentre dans la maison. Pegomastax. Ah, niveau 1 bah, je me le fais. Viens, femelle Pegomastax. Ah, purée. Il m'a volé un truc, en plus. En fait, il vient pour me voler des trucs, lui. Ok, bah, vole la narcoberry, je m'en fous. Par contre, la massue, c'est pas hyper... Saloperie. Ah, mais ça, apparemment, je peux l'apprivoiser. Cette créature ne doit pas dormir pour être apprivoisée. Accéder à l'inventaire. J'ai envie de la tuer, ça fera de la peau. En plus, c'est un petit truc qui vole, ça. Il vole les trucs. Purée, il y a un autre dinosaure là-bas, je sais pas ce que c'est. On va faire attention, parce que là, on a pas mal de dinos. Alors ça, c'est un dinosaure qui vole les choses. Ok, en gros, pour l'apprivoiser, donc faut pas du tout le taper. Faut le laisser nous voler, et ensuite, faut rester à côté de lui. Ok, là c'est que des dinosaures comme ça, donc ça va, ils sont assez gentils. Donc là on va attendre, pour le moment il est inconscient. Femelle paras... Oh purée, niveau 6 elle. Allez, il se réveille ou quoi? Il peut nous prendre des baies. Allez, réveille-toi, vole-moi un truc. Purée. Vole-moi un truc, et là je reste près de lui. Et tant que je reste près de lui, du coup, je suis en train de l'apprivoiser. Ah, donc là, il est complètement débile, ce qu'il fonce dans un rocher. Très bien. Voilà, complètement débile. Et là, la jauge de dressage est en train d'augmenter, je crois. Je suis pas sûre. Vas-y, reste là, bouge pas. 8,2% de dressage. Aïe, mais arrête de me faire du mal. Il a volé ma massue, en plus. Bon bah attends, je vais te défoncer, toi. Hein. Je vais te remettre inconscient, hein, si tu arrêtes pas, là. Reviens là. Mais purée, il me tape, en plus, hein. Qu'est-ce qu'il m'a volé? Il a pris tout mon bois. Reviens là, espèce d'andouille. Je sais pas comment on le dresse, hein. Dressage. Bah non, c'est en train de baisser en pourcentage.
Oh, je vais le tuer. Il me saoule. Allez, j'arrive pas à le dresser. En plus, il m'a volé tous mes trucs. Je vais le tuer. 3. Non, 3. Ça me fera de la peau. Allez! Ah, c'est dommage parce que il était censé ramener des baies celui-là. Tant pis. Au moins j'ai de la viande. Voilà. Il m'a saoulé. Purée, je crois que c'est un caca de dinosaure. C'est dégueulasse. Ah, mais. Ah, c'est dégueulasse! Bon, a priori, j'avais raison, ça va servir à faire du compost plus tard. Ah, mais il est là, le trilobite. Saleté. Meurs. Il veut retourner dans la mer. Hein, parce que je pense que la mer, c'est son terrain favori. Il peut s'échapper, le trilobite. Mais meurs, trilobite. C'est pas évident à tuer, ce truc-là. Bon, arrête maintenant. Hein. Arrête de faire l'enfant. En plus, on va dans des endroits qu'on connaît pas, là. J'aime pas ça du tout. Ah, j'ai tué un trilobite. Ok, bon, on va le décomposer. On eut quoi? De la chitine? Des perles noires. Tiens, je sais pas à quoi ça sert. Bon, en tout cas, j'ai eu pas mal de viande, du coup, c'est cool. Je vais pouvoir me nourrir. Oh, bonjour, madame. Niveau 1, par hasard. Est-ce qu'on essaye de buter, lui? Faudrait quoi? La massue? Vous pensez que c'est le mieux? Purée, elle court de ouf. Ça court de ouf, les parasaures. Purée, moi, je vais bientôt plus pouvoir courir, en plus. Reviens, parasaure. Purée, ça court trop. Je suis fatiguée, en plus. Elle a plus de résistance que moi, cette parasaure. Est-ce qu'elle va s'en aller à l'autre bout du monde? Ou est-ce qu'elle va rester dans le coin? Tant que je récupère mon énergie. Ah, mais elle court de ouf, hein! Purée, mais on va mettre 50 ans à la tuer. Allez, par hasard, je veux te dresser. Purée, j'arrive pas à taper en plus. Hein. Trop rapide. Va dans l'eau au moins, ou fais un truc, je sais pas. Oh, y'a un ptérodactyle. J'ai l'impression de pas du tout l'abîmer, quoi. J'ai plus de stamina, je peux plus courir, je vais juste marcher derrière. Sachant qu'elle fait un peu n'importe quoi. Elle s'est fait caca dessus. Ou alors c'est moi, je ne sais pas. Allez, on va courir un coup. Elle perd quand même assez vite, là, gros. Elle perd assez vite, mais c'est pas évident. J'aurais, elle part à 3 km, reviens. Reviens, par hasard. C'est quoi, c'est une par hasard, hein, c'est ça? Purée, reste là, couchez. Couchez, Martine. Reste là, Martine. Ah, mais purée. Martine, tu fais suer, hein. Allez, Martine, crève. Purée, j'ai tellement envie de la buter, là. Mais une massue, c'est du bois, donc peut-être qu'une hache, ça fera plus d'effet. Prenons hache. Salut, Martine. Oh là là. Bon, là, elle est redevenue calme. Voilà, c'est bien. Purée, quand est-ce que tu as crevé? Je crois qu'elle regagne la vie en plus comme nous, non? Attendez, faut que j'aille boire. Et le soleil est en train de se coucher. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est, cette femelle, par hasard? Je la vois plus. Je dis pas que j'ai perdu de vue. Ah, elle est là. Reste. Gentil. Coucher. Elle perd l'aggro au bout d'un moment, mais... Pff, purée, c'est pas évident. Je suis fatiguée, je peux plus courir. Ça a une sacrée... Je pense qu'elle non plus, elle peut plus courir au bout d'un moment. Purée, mais reviens. Bon, on va la laisser partir, parce que là-bas, il y a des trucs et j'ai pas confiance. Ah, bah ça, c'est pas mal. En gros, c'est pour améliorer notre maison. Mur en bois. On va prendre ça. Mais c'est très bien, les fondations et tout. C'est très très bien, je vais pouvoir améliorer ma maison, en fait. Alors là, par exemple, hop.
Ah Waouh, ok, c'est vraiment cool. Engrais. Ah bah voilà, c'est de l'engrais. Alors par contre, comment on l'irrigue? Ah, oh, ça fait une petite plante. Oh, je suis trop contente. Par contre, comment on met de l'eau? Je sais pas. Ouais, peut-être une gourde. Une gourde. Mais une gourde, j'ai pas assez pour la crafter, alors que je tue un animal. Trilobite. Donc ça donnait de la viande, donc c'est plutôt pas mal. Mince, je l'ai cassé. Allez, meurs, saleté de trilobite. Et bonjour, monsieur le parasaur. Oh, rien, je me promène avec un trilobite. Allez, meurs! C'est vrai qu'il est long à crever, ce trilobite à la noix. Je crois que la hache, elle est pas mal, hein. Elle pète pas mal des... C'est dommage, je peux pas réparer ma hache, là, pendant que je tue le... Mince! Oh, il y a un caca. Oula. Oula. Trilobite, il m'emmène dans des endroits où c'est pas cool. Tu vas mourir, oui. Purée, mais... J'arrive pas à le tuer, quoi. Ah bah enfin. Allez, je récupère le truc. Je me blesse en récupérant sa bouffe, là. Peut-être utiliser la pioche, hein. Oh, petit doudou, c'est trop mignon. Purée, il est trop cute. Oh, oh purée. Rends mon excrément, toi. Rends mon excrément. Rends mon excrément. Purée, je vais le buter. Par contre, j'ai que la pioche là pour le buter, ça va être chaud. Là, je vais récupérer ce qu'il m'a volé. Ah, j'ai eu quoi? Des perles de silice. Le dodo, il est trop cute. Bon, tu meurs. J'espère qu'il va bientôt mourir. En plus, il donne pas mal de viande ce truc, donc c'est cool. Ma pioche, elle va mourir avant, je crois. Allez. J'ai eu quoi? Ah, j'ai eu de la peau, donc ça c'est cool. Purée, ça fait flipper, hein. Il y en a franchement, ils font flipper. Bon, lui, on a vu qu'il était gentil. On peut même ramasser son caca. Voilà. On va aller le mettre dans nos petites cultures. Par contre, j'ai défoncé la moitié de mes armes pour tuer un trilobite. C'est extrêmement gênant. Alors, les cultures. Toi, t'avais pas eu ton caca. Hop, on va mettre hop, du caca, on va en mettre plein. Voilà, 7000 caca. Bon, parfait. Attention, il y a un petit dodo niveau 10. Oula. Oula, j'ai entendu un petit cri là, j'ai pas aimé. Toi, je te jure, je te déteste. Ah non, c'est un Pegomastax, voilà, c'est celui qui vole les trucs. Attendez, hop, on va le finir à la hache. Lui, c'est bien, il nous fait plein de viande. Je te déteste. Il nous vole à chaque fois des trucs. Je sais pas comment on les apprivoise, hein. Franchement, moi j'y arrive pas. Mais non, je m'en fous de l'arbre. Oula! Ouais, je me casse, hein. Il y a eu des espèces de T-Rex. Mettez de la nourriture au dernier emplacement de votre raccourci. Ah, attendez. Attendez. On va pouvoir l'apprivoiser apparemment. Une petite bête. Donner pour apprivoiser. Attendez jusqu'à ce qu'il ait de nouveau faim. Ah bah dis donc. On va ramasser, nous, hein. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter si on l'apprivoise? Parce que si je le tue, ça apporte de la viande. Ça, c'est intéressant, la viande. T'as encore faim ou pas? Purée, il a jamais faim, ce truc. Par contre, il fait caca. Ah, et ça, c'est intéressant pour nos cultures. Il mange des baies. Il est un peu dégueulasse comme dinosaure. Je vous avoue que c'est pas le premier truc que t'as envie d'avoir chez toi. Mais, bon. Au moins, on arrive à apprivoiser un truc sans le tuer. Ça, c'est pas mal. Il a combien d'apprivoisement, là? 30%. Purée, c'est long. C'est long. J'espère qu'il fera jour. Oh, mais purée. J'ai donné 3 à manger, je crois. Ah, je crois qu'il bouffe trop, regardez. Je vais collectionner son caca à ce truc. Regardez-moi ça. 3 milliards de caca. Dégueulasse. Obligé, t'as faim. Avoue, t'as faim. T'as fait caca. Purée, en plus, ça baisse. Ça baisse l'apprivoisement. C'est grave long d'apprivoiser un truc comme ça. Je vais la ramener vers la maison, comme ça.
En plus, comment elle mange? Mais purée! Usine à caca. Mais purée! J'en veux plus de cette bête. Non, mais en fait, je suis en train d'adapter un... C'est pire qu'un chien, quoi. C'est pire qu'un chien, ça fait partout, ce truc. Je pense que ça va être un animal extrêmement, extrêmement énervant. Allez, en plus, les baies, elles sont bientôt foutues, là. Pêche-toi, je sais pas que ça va faire, moi. Oh, il pleut. Oh, il pleut, on va voir si les cultures, du coup, elles sont... Il va encore faire caca, mais purée, je vais avoir mon inventaire rempli de ces crottes. Donc pensez... Alors j'ai pas de sac à toutou net là, hein. Vous savez, pour les chiens. Il va faire nuit là, on a passé la journée, j'ai passé la journée avec toi. T'es sérieux? Allez, va tout droit. Tout droit, j'ai dit... Fatigant. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là, non mais sérieux. Purée, la maison, elle paraît tellement loin, tellement qu'il est lent ce dinosaure. Allez! Ah. 78%. Ça avance. Par contre, je l'ai ramené de très loin, quoi. J'aimerais pas qu'il aille... J'aimerais pas qu'il aille trop loin. Ouais, bien. Oh là 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 là. Allez, je l'ai bientôt. Encore une baie, je pense, et ce sera bon. Ça, c'est quoi comme animal? Par hasard. Allez. Oh. On va voir après comment ça se passe et tout pour quand il devient notre pet, notre animal. Allez, 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 allez. Je pense qu'il est bientôt à nous, là. Au prochain caca, il sera à nous. Par contre, il m'en a mis partout. Partout, partout. C'est horrible. Oh, ça y est. Je vais l'appeler usine à caca. Oh, je l'ai chatouillé. Accéder à l'inventaire. On lui donnait quoi? On lui donnait des berries? Ok, là il me suit. Usine à caca. Oh, c'est trop mignon. Portée moyenne. En train de suivre Flanny. Ok. Allez, viens, usine. On va rentrer à la maison, tu vois? Alors, est-ce que je peux l'emmener dans la maison? Est-ce qu'ils peuvent se faire bouffer, mes familiers? Je pense que oui. C'est bien, parce que toi, tu vas bien me machiner les plantes. Alors là, il n'y a pas d'engrais. Ah mais c'est bon, c'est bien. Hop, on va mettre plein de caca de toi. Oh mon petit usine à caca. Oh bah oui, oh bah oui, les mignons. Viens, viens, viens. Viens, 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 on va te ranger. Voilà, tu vas rester ici. Tu vas rester bien sagement ici, petite usine à caca. Option, on va lui dire, désactiver suivre. Voilà, tu restes ici. Du coup... On va se laisser ici pour cet épisode de Ark. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et on se retrouve très vite sur la chaîne en vidéo et en live. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.